Bonjour, je m'appelle Myriam et c'est en partenariat avec Schoollab et le cabinet d'expertise comptable Techinable Penny Lane que je vais répondre à la question « Quelle forme juridique pour son activité ?» Le tout dans la manière la plus concise, je vous l'assure. En tant qu'entrepreneur, vous devez sûrement vous poser la question entre une SAS pour Société par Action Simplifiée et une SARL pour Société par Action à responsabilité limitée. Dans cette optique, je vais dans un premier temps vous présenter les axes fondamentaux communs entre ces deux types de sociétés, que ce soit en termes de formalité de création légale mais aussi comptable, puis vais distinguer ces deux sociétés par trois points. Trois points qui seront la rédaction statutaire, le statut social et la rémunération du dirigeant, et enfin les titres sociaux. On peut créer une société à partir d'un associé. Ces sociétés ne seront alors pas des SAS et des SARL, mais des SASU, Société par Action Simplifiée Unipersonnelle, et des EURL, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée. Dans tous les cas, le capital social devrait être constitué de minimum 1 euro et sera composé d'apports que ce soit en numéraire, c'est-à-dire en argent, ou bien en nature, c'est-à-dire en biens matériels. Les associés pourront également apporter en industrie, c'est-à-dire apporter de leur propriété intellectuelle. En termes de responsabilité maintenant, vous pouvez être plutôt rassuré puisque la responsabilité sera limitée au patrimoine de la société. C'est-à-dire que si la société a une dette envers un tiers et qu'elle peine à la rembourser, ce tiers ne pourra jamais aller saisir un des biens personnels de chacun des associés. En ce qui concerne la publicité, il sera nécessaire de constituer un avis au journal d'annonce légale, de déposer un dossier au centre de formalité des entreprises, de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés et enfin de publier au BODAC. En tant que représentante d'un cabinet d'expertise comptable, je me dois bien évidemment dénoncer l'obligation comptable de présenter ses comptes annuels. Maintenant, pour distinguer ces deux sociétés, on va essayer de répondre aux questions qui reviennent le plus souvent. La première concerne la rédaction statutaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que la SAS est reconnue pour sa liberté organisationnelle. C'est-à-dire qu'un certain nombre de pouvoirs va revenir de droit à chacun des associés. Au-delà de ce socle commun, il va exister une réelle liberté dans l'attribution des pouvoirs. Il va exister aussi une certaine liberté dans l'organisation des décisions. Dans la SARL, à contrario, le cadre législatif est établi dans le Code du commerce. Pour vous donner un exemple, on va citer les droits de vote. Dans la SARL, les droits de vote seront proportionnels au nombre de parts sociales. Dans la SAS, vous pourrez faire appel à des actions de préférence, c'est-à-dire, par exemple, à des droits de vote doubles, qui vont vous permettre de distinguer un associé qui s'est investi financièrement à la création de la société d'un associé qui s'investit quotidiennement dans sa gouvernance. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous concerne votre statut, le statut du dirigeant et sa rémunération. Dans une SAS, vous serez président et considéré assimilé salarié. Dans une SARL, vous serez gérant majoritaire, dès lors bien sûr que vous détenez plus de 50% des parts sociales, et serez considéré travailleur non salarié. Dans une SAS, les cotisations sociales seront onéreuses et vous permettront d'avoir une couverture sociale avantageuse. Dans la SARL, les cotisations sociales seront moindres et la couverture sociale sera forcément moins à votre avantage. C'est d'ailleurs pour cette raison que la plupart des gérants majoritaires souscrivent une couverture sociale complémentaire. Au-delà de la rémunération que vous allez toucher, vous percevrez sûrement des dividendes. Dans la SAS, ces dividendes seront imposés à 30%, alors que dans la SARL, le régime sera moins favorable puisque ces dividendes seront soumis aux cotisations sociales. Il faut noter également que dans les deux cas, que ce soit dans la SAS ou dans la SARL, le dirigeant n'aura pas le droit au chômage. Le dernier point que je voulais aborder avec vous concerne les titres sociaux. Donc dernier point qui n'est pas des moindres. Les titres sociaux dans une SAS seront appelés actions, dans une SARL, parts sociales. Il va exister encore une fois une certaine liberté dans la SAS quant à la cession des titres sociaux. Alors que dans la SARL, quand les associés vont vouloir céder leurs titres, ils vont devoir faire une procédure d'agrément en convoquant une assemblée d'associés ou d'actionnaires. Un point extrêmement important également sur les titres sociaux, c'est l'option des outils d'intéressement au capital de la SAS. C'est-à-dire que dans la SAS, vous pourrez proposer des BSPCE ou des bons de souscription d'actions qui vont vous permettre d'attirer des profils intéressants. Finalement, qu'en est-il ? Tout dépendra de votre profil, de votre objectif. Si votre volonté est de lever des fonds, alors considérez une SAS. Si vous voulez opter pour une structure plus stable, la SARL vous conviendra parfaitement. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à faire appel à Schoollab qui vous mettra en partenariat avec nous. Très bonne journée.